Le rond-point Mwangeji, un lieu qui annonce clairement et aisément l'image de la province de Lualaba. Malheureusement, à chaque tombée de pluie, ces sites touristiques changent la donne et devient un lieu pour accueillir les eaux en provenance de différentes artères. Motocyclistes, conducteurs de véhicules, tout comme les piétons, ont du pain à mettre sur la planche pour y traverser. Cette situation est due au manque de canalisation. C'est compliqué vraiment. Et là, nous éprouvons d'énormes difficultés. La situation est générale. Au rond-point Malou, Mwangeji et même sur Eldika. Impossible de voir même le train. Les personnes les plus averties proposent des voies de sortie pour que la situation ne se reproduise plus. Construisez bien les canalisations. De toute façon, il y a un bien. On dépense beaucoup d'argent dans la réhabilitation, pensant qu'on a bien travaillé. Regardez les résultats. Il faut faire le suivi également. Déboucher les canalisations, enlever aussi les immondices. Nous appelons à l'intervention des autorités. Cette situation est visible dans plusieurs coins de la ville, notamment au niveau de l'arrêt des bus Tigo sur la RN39, au rond-point de l'Indépendance et même au croisement des avenues Mama Mujinga et Katakonkombe. Pour rappel, il y a quelques jours, le lac Kabongo avait débordé son lit, perturbant ainsi la circulation.